Dans la famille de Carla Bruni, on connaît bien évidemment son mari, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Sa mère, l'actrice et pianiste concertiste italienne Marisa Borini. Mais aussi sa sœur aînée, l'actrice et réalisatrice Valeria Bruni Tedeschi. Néanmoins, cette dernière n'est pas la seule Adelph de l'interprète de Quelqu'un m'a dit. Si la chanteuse de 55 ans a en effet été élevée par Alberto Bruni Tedeschi qui la considérait comme sa propre fille, elle est la fille biologique de l'homme d'affaires brésilien Maurizio Rammer. Carla Bruni est ainsi également la demi-sœur de Consuelo Rammer qu'elle met justement à l'honneur dans son dernier post Instagram, ce vendredi 31 mars. Ce soir est le jour même de son anniversaire, mon extraordinaire jeune sœur Consuelo Rammer a épousé l'amour de sa vie, Alexis Gourdjian, a indiqué le top modèle avant de faire une tendre déclaration à sa cadette. Peu de personnes au monde possèdent les qualités humaines, intellectuelles, sensibles et affectives de ma merveilleuse douce sœur, peu de gens sont aussi solides, brillants et créatifs, aussi tendres et sages en même temps, quelle chance est la mienne! Peu d'êtres humains sont aussi profondément gentils qu'elle, aussi bons, aussi solides et généreux à la fois, aussi simples et tendres. J'ai rarement croisé un être aussi modeste et aussi brillamment exceptionnel que ma sœur, il me faut vous le dire, a-t-elle ainsi souligné en légende de la publication de plusieurs clichés de la mariée du jour, s'attardant notamment sur son élégant chignon parsemé de fleurs blanches pour l'occasion. Valeria Bruni Tedeschi, la sœur de Carla Bruni, pose fièrement avec leur mère Marisa et sa petite fille Oumi une sœur magique, sa douceur et sa force, sa sensibilité et son refuge. Consuelo est comme un roc de douceur et de gentillesse, de beauté et d'inquiétude. Et puis de détermination aussi. Je ne saurais comment vous décrire cette sœur magique que Dieu m'a offerte, a poursuivi la maman de Giulia, visiblement avide de louanges et compliments à l'intention de sa demi-sœur du côté de son père. Et de conclure, avec un message empli d'espoir et de bonnes intentions pour l'union de cette dernière, je veux, ce soir, lui souhaiter, à elle et à son merveilleux mari, tout le bonheur du monde et même davantage. Merci d'exister, Consuelo Rammer. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Olivier Bordes.